Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo qui s'adresse à toute la famille et qui a pour objectif de travailler les abdominaux. On va d'abord faire un petit échauffement et ensuite on va faire 5 minutes d'abdominaux non-stop. Les exercices pendant ces 5 minutes vont s'enchaîner par section de 30 secondes et donc à l'issue de nos 5 minutes, vous prenez une minute de récupération et l'idée c'est de faire encore une fois deux séries, donc pour un total de 3 séries. On va faire un petit échauffement rapide ensemble et ensuite on commencera directement. Alors, l'échauffement, je m'éloigne comme d'habitude, jambes fléchies, bassin vers l'avant si je suis de profil, rotation des épaules. Rentrez bien le ventre, soufflez bien dans un sens, puis dans l'autre. Donc, rotation vers l'avant et on tend les bras, petit cercle, bras tendus. Essayez de bien rapprocher les omoplates dans un sens, puis dans l'autre. Encore tout petit, dynamique, ventre rentré, jambes toujours fléchies. Hein, je ne tends pas, je ne verrouille pas les genoux. Et bras fléchis, on ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. Vous voyez que les avant-bras se touchent, les coudes se touchent également. Je ne croise pas les avant-bras, c'est pas ça. Hein. Là, ça ne travaille pas, ça ne joue pas. Et tout petit. Toujours le bassin bien vers l'avant, ne creusez pas le bas du dos. On continue. 4, 3, 2. Et on garde les avant-bras collés, on va vers le haut. Peut-être que de profil, on se rend mieux compte. Hein. Je ne sors pas les fesses, je ne creuse pas le bas du dos. Je garde les avant-bras bien collés. 3, 2. Et je relâche. Jambes tendues cette fois-ci. Je descends et j'avance les mains pour venir en position de planche. Et je remonte jusqu'en haut. Épaules vers l'arrière. Encore une fois, je descends, j'avance et je reviens. Rentrez le ventre et on souffle, soufflez. On inspire, on remonte. Encore deux fois, on descend si possible, les jambes sont tendues. Là, on s'allonge le plus possible. Une dernière fois, on avance les mains. Petit à petit, position de planche comme c'est le dernier, on maintient un petit peu et on remonte. On remonte, relâchez bien et on va commencer nos 5 minutes d'abdominaux. Allongez sur le dos pour un premier exercice. 30 secondes, je ramène les genoux vers les épaules et c'est parti. 30 secondes, je décale les fesses, le bas du dos, soufflez bien et on revient. Je ne suis pas en train de jeter les pieds vers l'arrière, hein. Ça ne sert à rien, les abdominaux ne travaillent pas. Et si vous les complexifiez, vous allongez les jambes. Allez, soufflez bien, les épaules sont collées, on souffle, rentrez le ventre, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Et on reste comme ça, jambes tendues, cette fois-ci, on cherche le plus verticalement possible, petit mouvement. D'abord, on fait grande amplitude, soufflez bien, rentrez le ventre, encore. L'idée là, c'est de décoller les fesses, le bassin, mais sans venir vers les épaules. Et 10 secondes, petit rapide. Allez, on accélère, soufflez, encore, encore, on tient. Là, on travaille un petit peu plus les abdos sous l'ombril et le ventre est rentré. On pivote, gainage 30 secondes, c'est parti. Donc là, au gainage, on se grandit. On éloigne les épaules des oreilles. Bassin en rétroversion. Je vous rappelle que je ne suis pas en train de monter les fesses ni de creuser le bas du dos. Je suis le plus à plat possible. Et il reste encore 10 secondes. Soufflez bien. Si vous voulez complexifier, vous pouvez soulever un pied et vous maintenez. Puis vous soulevez l'autre et vous maintenez. Le ventre est rentré. Et on pivote sur le côté. Donc là, sur le côté, on aligne bien épaules et coudes. Et petit mouvement vers le plafond. Soufflez bien, rentrez le ventre, grandissez-vous. Allez, il nous reste 15 secondes. Si c'est trop difficile, vous pouvez poser les genoux au sol et faire la même chose. Si c'est facile, vous pouvez soulever la jambe supérieure et maintenir. Sinon, l'exercice de base, petit mouvement vers le haut, ventre rentré, je me grandis. Et on change de côté. Je change comme ça pour rester face à vous. Sinon, vous pivotez simplement. Et petit mouvement, soit la main sur la hanche, soit le bras en l'air. Ça, c'est au choix. Encore une fois, si c'est trop difficile, là, on travaille les obliques. Donc, ce n'est pas forcément un exercice facile. Si c'est un petit peu trop compliqué, vous posez.
les genoux et vous continuez. Si ça va, on est comme ça. Et exercice plus complexe, on soulève la jambe. On tient. Et on relâche, on a fini. Le dernier, la 30 secondes, dernier dans la série de gainage. Hein. Soufflez bien, sinon on n'a pas fini du tout notre série. Donc là, on essaie d'être le plus à plat possible. On pousse bien le nombril vers le plafond. On contracte volontairement les fessiers. Il reste 10 secondes. Si jamais vous avez mal, trop mal au poignet, passez en appui sur les épaules. Donc on pose les épaules au sol. Et on relâche tout doucement. Au sol, main derrière la tête, 90 degrés. Je vais à droite, puis je vais à gauche. Mouvement tranquille, menton décollé de la poitrine. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Lorsque j'inspire, je pense bien à rentrer le ventre. Encore, je souffle, j'inspire. Je souffle, mouvement en douceur, contrôlé. Ne tirez pas sur la nuque, hein, c'est pas ça. Je garde les coudes ouverts. Les coudes ne sont pas dans la vision centrale, dans le champ périphérique plutôt. Et là, j'ai changé d'exercice. Je rajoute les jambes. Je souffle, j'inspire, je souffle. Alors, on a la version où on peut aller un peu plus vite. Souffle, inspire. Ou la version, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Donc, vous choisissez celle que vous souhaitez. Il nous reste encore une minute d'exercice. On y est. Allez, on tient. Et on relâche la casquette, on repasse sur les avant-bras. Cette fois-ci, exercice dynamique. Je monte, je descends. Soufflez bien. Allez, on rentre le ventre. J'ai un petit peu dépassé sur l'exercice précédent. Allez, et je change la main qui dirige. Pareil, j'essaie de ne pas trop bouger le bassin. Je ne suis pas en train de bouger comme ça. J'essaie d'être le plus tonique possible. Le ventre est rentré. On souffle. On monte, on descend, on contrôle. Si c'est trop dur, on reste en bas en gainage simple, comme tout à l'heure. Et dernier mouvement, je reste en planche haute, je rentre le ventre. Encore une fois, je ne monte pas les fesses, je ne creuse pas le bas du dos, je suis le plus à plat possible, je regarde légèrement vers l'avant. Mon ventre là est rentré et je souffle. Les coudes sont bien verrouillés, hein, et les épaules au-dessus des poignets. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1. Et pour soulager, on repousse le sol. Essayez d'avoir le dos le plus à plat possible. Soufflez bien. Et on marche avec ses mains jusqu'à ses pieds. Rapproche un petit peu pour rester sur l'écran. Relâchez bien la nuque. Main au-dessus des genoux. Dos plat. Poids du corps vers l'avant, c'est-à-dire sur les orteils. Et je relâche. Encore une fois. Dos plat, on éloigne les épaules, les oreilles et on relâche en soi. Fléchissez, remontez tranquillement une vertèbre après l'autre et on relâche un petit peu, soufflez. Donc là, c'est le moment de boire un coup, de se reposer, de souffler et ensuite, la minute de récupération passée, vous reprenez cet enchaînement et l'idéal, ce serait de le faire encore au moins deux fois. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo va bien vous maintenir en forme et vous donner plein d'énergie. Et on se retrouvera très vite pour une vidéo pour travailler le bas du corps. À bientôt !